C'est faire des images, et si on regarde l'anagramme des images, c'est la magie. Donc c'est du jeu, voilà. Il faut que ça reste toujours du jeu. La maison de la photographie Robert Doisneau à Chantilly. Diagonale vous propose de plonger au cœur des lieux qui font la photographie en France et de pousser la porte d'entre les images. Un programme d'ateliers et de pratiques fait de rencontres et d'images. Suivez-y, laissez-vous surprendre. Direction Chantilly, banlieue parisienne sud, porte de Paris, la maison Robert Doisneau travaille avec une maternelle à la découverte du projet Famille d'objets. La maison de la photographie Robert Doisneau qui a proposé un projet avec pour artiste photographe intervenante Stéphanie Lacombe, avec pour sujet de base le fameux doudou. Jennifer Laborde, réseau Diagonal. Et c'est à partir de cet étrange personnage, qui peut être une peluche, qui peut être un objet de transition émotionnelle, que les élèves ont pratiqué la photo, parfois pour la première fois, dans la cour de l'école, mais aussi à l'extérieur, dans le cadre de studio. Et ils ont aussi, pour la première fois, été sensibilisés à des images de photographie contemporaine, patrimoniale. Stéphanie Lacombe, vous vous souvenez la première fois où vous êtes arrivée devant ces enfants de l'école maternelle, là-bas, Henri Barbusse, à Chantilly, dans cette classe de grande section? J'ai surtout le souvenir des 4 jours d'immersion, parce que quand on arrive dans une classe, en fait, il y a quand même 20 enfants, donc on ne les regarde pas de manière individuelle, on est même intimidé, j'ai envie de dire, et on se présente déjà avant tout. Et je me rappelle des questions qu'ils ont pu me poser par rapport à mon métier. Et parce qu'il faut leur expliquer qui on est. Enfin voilà, on est photographe. Et qu'est-ce que c'est qu'être un photographe aujourd'hui? Ils ont parfois, et souvent même d'ailleurs, jamais vu d'appareil photo, si ce n'est le téléphone de leurs parents. Puis après, on fait connaissance dans la cour avec les boîtiers et la réalisation des premières images. Mais ouais, la première image que j'ai, en tout cas d'eux, c'est eux ensemble, autour de moi, assises. Là, au même niveau que sur des petites chaises. Alors, je rentre dans votre classe, les enfants, de grande section de maternelle, et je ne suis pas Stéphanie. On est d'accord, je ne suis pas Stéphanie? Oui. Je ne suis pas un photographe. C'est quoi un photographe? C'est ceux qui filment des photos. Et les photographes font toujours des photos pour regarder si les photos sont bien pour les adultes ou les enfants ou les parents. Sabine Saint-Georges, on est dans votre classe ici, dans la maternelle de Henri Barbusse à Chantilly. Et puis vous avez accepté il y a peu ce beau projet. Comment ça s'est passé ces 4 jours? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez aimé ce travail avec Stéphanie? Oui. Pourquoi vous avez aimé ce travail avec Stéphanie? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qu'elle vous a dit sur elle? Elle expliquait de son métier. Ah, de faire des photos. Elle fait des photos pour quoi, Stéphanie? Pour qui? Il prend des photos des gens qui sont dans d'autres pays. Voilà, des gens qui sont dans d'autres pays. Il y avait des gens qui faisaient quoi? Qui? Jeanne? En fait, le monsieur qu'on voit, bah, il imagine son frère parce qu'il est mort. Stéphanie Lacombe, à 5-6 ans, il y a évidemment plein de choses qu'on a en tête, mais quel genre de premières questions apparaissent? Les premières questions qu'ils posent, en tout cas je me souviens avec cette classe, c'est plutôt en fin de journée quand on a fait un bilan de ce qui s'était passé, enfin ce qu'ils avaient appris, et sur ce fameux métier de photographe, c'était « Alors les enfants, qu'est-ce qu'on retient de cette journée? Qu'est-ce que vous retenez ?» Et donc ils avaient retenu que j'étais une photographie et que je montrais mon travail dans des magasins. Alors il a fallu que je rectifie, j'explique que j'étais non pas une photographie, mais j'étais une photographe et que je montrais mon travail dans des magazines. Et ça commence comme ça en fait, la rencontre. Mais il y a un vrai enjeu de travailler comme ça, c'est presque un défi aussi, avec le tout jeune public, évidemment un regard encore très distancié sur ce qu'est la photo. En revanche, vous venez avec un projet
qui va être très ludique pour eux, qui va les accrocher tout de suite, parce que vous venez et vous allez travailler ensemble avec un objet qui est peut-être pour eux le plus précieux, le plus rare, en tout cas l'objet unique, c'est le fameux objet transitionnel. Le doudou. Pour moi, le doudou allait être un peu le prétexte à la réalisation des images, à l'appréhension du vocabulaire photographique, enfin, tout n'est à chaque fois que prétexte. Donc le doudou, il a cette force d'être, comme vous l'avez dit, l'objet transitionnel, un objet d'intérêt aussi pour l'enfant, puisque c'est quand même son meilleur ami, en principe. C'est son meilleur ami, c'est son confident, c'est celui qui l'accompagne jour et nuit, en tout cas la nuit, parce que en grande section de maternelle, tout est fait pour plus qu'il y ait le doudou. Mais là, justement, c'était génial, parce que pour les photos, bah, ils avaient le droit à la porter. Donc ça, c'était bien. Et ça les a enthousiasmés à l'idée de les mettre en scène, parce qu'on a fait des mises en scène avec ces doudous, on a raconté des histoires, et puis ils se sont photographiés aussi avec leurs doudous. Ce doudou que vous alliez photographier, il y avait différentes façons de le photographier. Comment ça s'est passé ? On a des doudous par terre et ils ont mis des feuilles. On les met où on veut et on appuie sur le bouton rouge. Avec la maison Robert Doisneau, on arrive avec des appareils photo, des petits compacts qui sont colorés. Et de mémoire, ils sont rose fuchsia. Donc vraiment, c'est même pas tant l'appareil photo qui les émerveille, mais c'est la couleur de l'objet. Ça a fait fureur, vraiment. Ils ont adoré le côté pop du boîtier. Puisqu'on est là en train d'évoquer ces clichés, ces images, celles qui vont leur rester, c'est peut-être ça, ce projet que vous avez porté avec la maison Robert Doisneau, qui s'inscrit dans ce programme porté par le réseau Diagonale. Ça s'appelle Famille d'objets. Oui, alors la famille d'objets, on l'a abordé, c'est vrai, le premier jour avec Bric-à-Brac. C'était amusant de voir les mises en scène qu'ils mettaient en place sur leur grande feuille format grand aigle. En fait, ça raconte souvent leurs propres histoires vécues. Et donc là, on est déjà dans l'émotionnel, en fait. Et on peut même aborder le vocabulaire philosophique qui est souvent abordé hein, en grande section de maternelle, qu'ils ont déjà vu. On a pu observer au courant de l'atelier les enfants parler effectivement de la solitude, de la joie, de la tristesse aussi, du bazar également. Voilà, il y avait le chaos, je m'en rappelle. Et d'un bric-à-brac, il y en avait un qui était tout seul et d'un côté, l'autre, il y en avait beaucoup. Je regarde ce livre et je l'ouvre. Bric-à-brac. Un mot, Laurie, sur bric-à-brac. Oui, voilà, bric-à-brac, c'est un ouvrage de référence que Stéphanie a apporté au début de l'atelier. Laurie Chapiperon, Maison de la photographie, Robert Doisneau. C'est un ouvrage qui rassemble un certain nombre d'objets qui sont associés, assemblés de différentes manières. Il y a aussi des associations d'objets qu'on voit poser face à nous ou dos à nous. Et à partir de cet ouvrage-là, les élèves ont réfléchi avec Stéphanie à la manière de présenter leur doudou. Ils ont fait par exemple des formes sur les fonds colorés. Quelle forme vous avez fait avec vos doudous ? Un carré, un rectangle, une forme. Là, des doudous qui sont ensemble et un doudou tout seul. Mais par contre, quand vous les avez photographiés avec Stéphanie, vous vous souvenez, vous avez appris à les photographier. Comment ça s'appelle, comme ça ? Et contre-plongée. Et quand c'était que le visage ? Portrait. Un portrait serré. Et quand tu te photographies toi-même ? Oui, vas-y. Un autoportrait. Oui. Quelle photo vous avez fait avec Stéphanie ? Est-ce que c'était que des doudous ? Des doudous où et comment ? Qu'est-ce que vous avez fait avec ces doudous ? D'abord, c'est quoi un doudou ? C'est pour dormir et des fois jouer avec. C'est un animal, ça peut être un animal et en fait c'est tout moelleux et ça parle pas. Il ressemble à quoi ton doudou à toi ? Un ours avec un ours polaire avec une fourrure. En fait, c'est une petite licorne qui a des petites ailes. Pourquoi vous avez un doudou ?
En fait, il sert à dormir et aussi à raconter des histoires. À cet âge-là, on va plus ensemble tenter de raconter des histoires. Comme ils racontent des histoires en faisant un dessin, ou lorsqu'ils jouent avec des doudous ou des jouets, ils vont raconter des histoires. Nous, on a cherché à raconter des histoires en images. Et pour faire ça en images, ben, y a plein de techniques pour le faire. Enfin, c'est ce qu'on a abordé ensemble, c'est ce qu'on a vu. Donc, sur les 4 journées, moi, j'ai établi un petit programme où le premier jour, c'était de mettre en scène les doudous à la manière Bric-à-Brac, qui est un livre absolument génial. Alors là, on aborde la plongée, parce qu'il faut photographier d'en haut, vu d'en haut, puisque les objets sont en bas, les doudous sont en bas. Ensuite, la deuxième journée, on s'est amusé à travailler autour du portrait et de l'autoportrait. Donc là, il fallait photographier son camarade ou bien se photographier soi-même. Alors, on a travaillé sur les émotions, bien sûr. Ils ont pu voir tout de suite que bah, si je souris pas, c'est que peut-être je suis pas content. Et puis, si je fais un grand saut en l'air, en suspension en l'air, c'est que vraiment je suis heureux et je m'exprime comme ça. Donc, cette deuxième journée était tournée autour du portrait, l'autoportrait, mais de soi. Ça, c'est la deuxième journée de prise de vue. Puis la troisième journée, c'est de mettre en scène. Comme on s'est mis soi-même en scène, mais on met en scène cette fois-ci son doudou dans la cour. Et on fait raconter des histoires. J'ai bien senti que ça s'était pas inscrit de manière intrinsèque en eux, quoi. C'est comme quand ils font un dessin, c'est instinctif, quoi. Et ça reste instinctif, en fait, chez eux. Et en fait, au fur et à mesure des journées qui passent, et puis de tout ce qu'on a appris aussi en classe, parce qu'il n'y a pas que la mise en scène des doudous et de la prise de vue, il y a aussi tout le travail qu'on fait en amont en regardant des diaporamas qui relatent de photographies faites par des photographes célèbres. Donc on apprend aussi comme ça. Et surtout, le lendemain d'une prise de vue que l'on a faite ensemble dans la cour, on va aussi regarder le travail au tableau, mais tous ensemble. Et donc on va analyser les images qu'ils auront réalisées la veille. Vous êtes reparti à la maison avec quoi ? Un accordéon. Comme un accordéon. Un accordéon ? Faisais quoi ? Tu le ? Déplie. Et on le ? Déplie. Et il y avait quoi dessus ? Il y avait les photos qu'on avait fait. Mais des photos de quoi ? De doudou. Stéphanie Lacombe, ces 4 jours ont défilé. À la fin, certainement, ils ne sont pas contents de vous voir partir, mais vous leur offrez un cadeau, non pas un appareil photo, mais un accordéon. Oui, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Bah, c'est un objet qu'ils garderont, j'espère, toute leur vie, qui finira peut-être sûrement pas épinglé sur le frigo parce qu'il c'est trop long. Donc c'est un petit livret en forme d'accordéon qu'on appelle un Leporello. Un Leporello de format 10-15, qui est un format classique hein, de photographie, et composé de... donc on a là sous les yeux, 1, 2, 3, 4, 5, de 5 photographies, mélangeant sur ces 5 supports d'images des mises en scène de bric-à-brac, des doudous donc, et puis eux-mêmes dans la cour, et puis des photos de eux-mêmes mis en scène avec leurs doudous. Celle-là, elle est drôle. Dans la cour, elle a remplacé finalement son visage avec... Alors, c'est Anna. Anna, qui est en grande section de maternelle, est venue avec son doudou, qui est en forme de nuage, qui est à peu près la grandeur d'un long bras. Donc, ce nuage, elle se le place sur le visage. Et donc, elle se transforme en nuage. Mais on voit encore son corps, ses pieds, qui ont la même couleur d'ailleurs que sa tête. Et évidemment, ce nuage, il a des yeux et il a un petit sourire. Et voilà, elle disparaît derrière ce nuage. Je reviens sur cette idée-là et je m'adresse aussi d'une certaine manière à cette porteuse de projet à la maison Robert Doisneau, Laurie Chapy-Perron. Il y a un moment, il a fallu faire un travail même d'editing. Il a fallu qu'ils comprennent qu'il y avait un choix à faire. Il a fallu même les guider dans cet exercice que souvent, même nous les adultes, on a du mal à faire. Oui, tout à fait. Voilà, le projet est complet parce qu'il y a des moments d'échange avec le photographe, de prise de vue. Pour revenir à l'editing, c'est très important. Les élèves ont à chaque fois pris des photos. Stéphanie Lacombe triait ces photos. Et avant de redémarrer une nouvelle séance de prise de vue, les élèves regardaient ensemble
avec Stéphanie leurs photos réalisées à travers la projection. Et ce qui a été très intéressant, c'est que chacun des enfants a pu essayer de donner un titre associé à un mot et son image. Ce qui n'était pas forcément facile parce que l'enfant voulait tout de suite raconter une histoire, mais faire comprendre qu'un mot, le texte et l'image peuvent dialoguer ensemble. Et suite à ces séances de projection et d'échange, où là le dialogue et le langage est très important, Stéphanie a proposé vraiment une séance d'editing par petits groupes. Chacun avait entre les mains de nombreuses images qu'il avait réalisées, que ce soit des doudous ou des portraits, ou les mises en scène des doudous dans la cour. Et à partir de ça, l'élève, chacun des élèves a pu choisir quelques images et essayer de comprendre la relation, l'importance de la relation entre une première image, une seconde image, une troisième, une quatrième, etc. Et c'est ce qui a donné lieu au fameux accordéon dont il parle, les liporello des enfants. Cet accordéon, ce liporello, ce petit livre que vous avez apporté après le passage de Stéphanie, il est où dans la maison maintenant? Il est où ce livre dans ta maison? En fait, il est quelque part dans ma chambre. Tu crois que tu vas le garder toute ta vie? Oui. Moi, il est dans ma chambre. Ben, il est où dans ta chambre? Sur une table. Anna, c'est incroyable. T'as posé dans la cour de récréation avec un doudou qui ressemble à un nuage. Ben, oui. J'ai fait avec le doudou de mes copines. Elle est dans le toboggan avec son doudou. Il est derrière un arbre. Oui, elle est dans le toboggan. Il y a quelque chose qui est apparu dans le compte-rendu, évidemment, que l'artiste, auteur, qu'est Stéphanie Lacombe, a dû faire. C'est son étonnement sur la façon dont parfois on atteignait même l'excellence dans certains clichés. Oui, c'est vrai qu'avec ce projet, nous nous sommes vraiment aperçus rapidement que les élèves, même très jeunes, en grande section, ont une connaissance finalement de l'appareil photo. Ils savent très vite se servir des boîtiers. Et ce qui est peut-être plus de l'ordre de l'apprentissage, c'est de leur faire comprendre de la manière dont on tient l'appareil photo. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs travaillé avec des petits boîtiers qui ne soient pas trop lourds pour les enfants de 4 et 5 ans. Mais on voit qu'on s'aperçoit que les prises de vue qu'ils ont eux-mêmes réalisées sont très souvent réussies. La plupart des photographies ont été prises au format paysage. Très peu de portraits, et c'est là dont on a essayé de les initier à la prise de vue en format portrait. Mais on s'aperçoit que pour eux, c'est difficile à la fois de se concentrer sur le sujet qu'ils vont photographier, la manière dont on tient l'appareil photo. Et peut-être qu'on peut leur demander ce qu'ils se rappellent de cet outil qu'ils ont utilisé, que j'ai ramené avec moi aujourd'hui. Oh, regardez ce que j'ai dans les mains. On a oublié de parler de quelque chose. Vas-y, Guénaël, dis-le. De l'ombre. Ah, Guénaël, viens là. Alors, on a oublié de parler de quoi? Quand on se met quelque part, on voit son ombre, comme les fantômes. Et donc, tu aurais pris une photo de moi? C'est bien, elle est belle, ta photo, plutôt. Est-ce qu'il y en a un qui a envie de devenir photographe? Comme ça, je vais aller partout, je vais me balader dans l'avion. On voyage. Elle voit plein de choses. Et moi, je trouve que, bah, par exemple, des personnes qui réfléchissent et des personnes qui mangent, des personnes qui travaillent, des personnes qui sont fâchées, des personnes qui sont à l'école, des personnes. Et si elle ne voit pas des personnes, elle peut voir quoi d'autre? Elle peut voir des objets. Elle peut faire des vidéos d'objets. Il y a un mot qui est rigolo. Et ça, elle vous l'a dit, Stéphanie, quand elle vous a présenté la photo. Vous vous rappelez, les enfants? Elle a dit, la photo, ça ressemble à un autre mot. Quand on met les lettres dans l'autre sens, dans tout à l'envers, ça ressemble à quel autre mot, la photo?
magie. Ah, exactement. Et pourquoi c'est de la magie? Je mets quelque chose dans une petite boîte. Parce qu'on met un papier dans une boîte, après on doit piocher sans regarder. C'est vrai que on a tendance à l'oublier que c'est de la magie. Et en tout cas, ce que ça suscite, tout de même quand ça arrive dans votre classe, un peu d'émerveillement. Oh oui, ou de l'étonnement, de l'émerveillement, de l'enthousiasme. Et puis après, de l'attention, de la concentration, du langage. Et tout ça, effectivement, ça fait partie de la magie de la photographie. Et après, quand on les regarde, c'est encore autre chose. Parce qu'il y a le fait de prendre, et puis le fait d'être en action, donc, et puis après, le fait de voir les photos réalisées, ce qui les étonne toujours. D'avoir un résultat par rapport à ce qu'ils ont pu voir, analyser, observer, fixer par la photo. Oui, ça, c'est magique pour eux. L'appareil photo, c'est un autre médiateur, un autre support de langage et de création par rapport aux arts plastiques ou aux albums, etc. Oui. Puis parce qu'en fait, c'est une ouverture vers le monde, vers l'extérieur, pas forcément leur quotidien. Tout le monde ne va pas voir des expos de photos ou des expos au musée. Donc oui, c'est une ouverture culturelle et intellectuelle. Je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous. Tu veux me dire quelque chose ? Et tu peux voir derrière toi les photos qu'ils ont faites. Que toi aussi tu as fait. Que moi aussi j'ai fait. Des photos de nous, des photos de nos doudous. Quand on fait un atelier comme ça, dans une classe, avec 20 élèves, eh bien on a une diversité de profils, d'identité, d'origine. D'envie aussi, et ouais, la diversité, c'est-à-dire que c'est infini en fait. On peut faire plein d'ateliers et ce sera jamais le même. Laurie Chapy-Perron, ici dans cette école maternelle Henri Barbus à Gentilly, on est non loin de la maison de la photographie Robert Doisneau. La maison de la photographie Robert Doisneau, c'est quoi ? La maison de la photographie Robert Doisneau, c'est un établissement public territorial qui intègre le réseau Diagonal, un réseau rassemblant différentes structures en France. Et c'est grâce à ce dispositif entre les images portées par le réseau Diagonal que chacune des structures a pu mettre en place en 2019 un ou plusieurs projets d'éducation à l'image dans des structures diverses. Donc voilà, le réseau, c'est un ensemble de structures qui portent de nombreux projets adressés à des publics différents. Et pour reprendre un peu les projets menés par la Maison Doisneau en 2019, grâce au dispositif Entre les images, il s'agit du projet Famille d'objets avec Stéphanie Lacombe, et la Maison Doisneau en a mené un second. Il s'agit du projet Vers où nous regardons, qui a été mené avec Hortense Soichet dans un entrepôt de logistique situé à Cap 18 à Porte d'Aubervilliers, où Hortense Soichet a participé et a accompagné ce projet en intervenant 30 heures auprès de ses ouvrières et ouvriers de la logistique. Ils ont eux-mêmes, grâce à Hortense Soichet, été accompagnés pour mener un regard sur leur quotidien, leur gestuelle dans les entrepôts, et ils ont découvert la technique, la pratique photographique. Le dispositif Entre les images, c'est quelque chose qui s'étend à une échelle nationale. Et chaque structure mène des projets, mais qui se retrouvent reliés ensemble autour d'une même demande, qui est vraiment cette éducation à l'image par et avec la photographie. Ces temps de pratique, ces temps de rencontre avec des photographes pour découvrir aussi ce qu'est la photographie et pour pouvoir la définir au mieux. On fait des pas de côté, on fait aussi beaucoup de rencontres. Parce que pour moi, la Diagonale, ça lie, comme je dis, d'un point à l'autre. Et je pense que pourquoi ce réseau est aussi fort, c'est parce qu'il réunit différentes structures qui mènent différentes expériences autour d'un point commun. Le Centre régional de la photographie Hauts-de-France. Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France. Fin de l'étape de notre voyage sonore au sein du réseau Diagonal. Remerciements à la maison Robert Doisneau à Gentilly et à Stéphanie Lacombe, et les bénéficiaires du projet Famille d'objets à l'école maternelle Henri Barbus à Gentilly.
un des 30 projets du programme Entre les images, développé en 2019 par les membres du réseau Diagonal, 23 centres dédiés à la photographie disséminés sur l'ensemble du territoire hexagonal. Entre les images est un programme soutenu par le ministère de la Culture. Cette série de 5 podcasts originaux est produite par le réseau Diagonal et réalisée par le studio de création Écran Sonore. Au micro, Alexandre Hérault. Toutes les informations sont consultables sur le site réseau-diagonal.com. Un réseau unique pour une photographie multiple.